C'est parti pour un haul action. Je sais jamais, il y a toujours des filles qui disent shine, shein, shein. Moi je dis she. J'ai même pas comment je dis. Tout dans mon téléphone. Quelle organisation? Qu'est-ce que. Salut! C'est parti pour un haul Shein. Quel bel arrêt sur image. Non, plus sérieusement, c'est juste pour vous dire qu'il n'y aura pas que du Shein dans la vidéo, mais j'ai fait d'autres magasins, donc je vous montre tout ça après Shein. Alors, j'ai passé commande le 8 janvier et je l'ai reçu aujourd'hui, donc nous sommes le 18 janvier. Et j'en ai eu pour 65,63€. Et j'ai eu 8 articles au total. Du coup, j'avais appliqué un code promo de 20%. Alors, j'ai pris une paire de chaussures qui me faisaient de l'œil depuis un moment. Je les avais mis dans mes favoris et je sais pas pourquoi j'ai passé commande qu'au bout d'un certain temps. Le carton, il est bien défoncé par contre. Et donc, chaque chaussure est emballée comme ça. Et j'ai pris ces petites chaussures. Elles sont trop belles. Franchement, j'en voulais trop des comme ça. Et elles sont un peu larges, genre je pensais pas que ça allait être aussi large comme ça, mais bon, à voir porter comment ça fait, j'espère qu'elles me vont. J'ai pris du 38 et habituellement je fais du 38, donc j'espère que ça va. Il me semble que j'avais mesuré pour être sûre que ça maille, mais voilà. Donc je vous les mettrai porter dans une incruste écran, je vous les montrerai porter. Je suis trop contente qu'elles soient arrivées. Du coup, celles-ci, je les ai payées. Donc au lieu de 21,25€, je les ai eues à 16,97€. Donc franchement, pour des petites bottines comme ça, c'est pas cher du tout. Ensuite, je prends un peu au pif. J'ai pris celui-là, je crois que je me souviens. C'était un petit top. C'était un petit top à manches longues, comme ça. En effet, léopard. Avec des petits trucs pour resserrer. Le motif est pas mal, je le voyais différent sur la photo. De toute façon, je vous mettrai des photos des articles comme j'avais fait dans mon ancien haul, parce que j'avais fait un haul précédemment. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi au passage, ça me ferait trop plaisir. Après, niveau qualité, c'est pas mal. J'espère qu'il me va, j'ai l'impression qu'il est... Ouais. Poignet, ça a l'air un peu petit. Hein. J'ai pris une taille S et au lieu de 4,99€, je l'ai eu à 4€. J'ai pris une paire de boucles d'oreilles. Première paire de boucles d'oreilles comme ceci. Du coup, c'est des petites créoles comme ça avec des petits détails. C'est un peu comme des petites... s'il y avait des petits éclats de pierre ou je sais pas. Enfin, trop jolies. Vraiment, elles sont trop belles. Je les ai payées... au lieu de 75 centimes, je les ai payés 60 centimes. Et ensuite, j'ai pris des autres boucles d'oreilles. Et là, par contre, elles sont énormes. Et elles sont comme ça. C'est aussi des créoles, mais du coup en doré. Mais je les voyais pas aussi grosses. Parce que du coup, je pense que... Je pense pas que je les porterai. Peut-être pour une photo ou je sais pas. Mais en tout cas, ça me perturbe un peu. C'est un peu gros. Mais ça, je pense que c'est de ma faute, j'ai pas regardé assez bien les photos des personnes qui avaient déjà acheté les boucles d'oreilles. Au lieu de 1,75€, elles étaient à 1,40€ avec la promo. Ensuite, j'ai pris mon liner. C'est un liner que j'avais déjà acheté, donc ça vient comme ça. Et après, vous avez la petite boîte noire. Et c'est un liner waterproof. Alors celui-là, pépite. Vraiment, c'est une dinguerie. Il est hyper noir. Vous l'appliquez, franchement, il bouge plus. Il bouge plus, il transfère pas sur la paupière, il coule pas là sur les côtés. Moi, j'ai souvent les yeux qui larmoient un petit peu. Il coule pas. Une fois qu'il est posé, il est posé. Et même quand je me démaquille avec mon baume démaquillant, donc c'est quelque chose d'assez gras qui vraiment aide à tout dissoudre, je peux vous dire que je masse vraiment beaucoup mes yeux pour le faire partir. Et comme ceci dedans, franchement hyper qualitatif, il est assez lourd, franchement il est trop bien, il y a une petite bille à l'intérieur. Et au niveau du feutre, il est comme ceci, franchement il est trop bien. Je vous le recommande à 1000%. Le bruit là. Minute ASMR. Je l'ai payé, au lieu de 2,99€, il est à 2,40€.
Ensuite, j'ai pris un sweat gris comme ça. Et c'est ce que je pensais pour le prix. Il est fin, mais il est quand même, il a l'air quand même top. Donc il est comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Il est comme ça. Il est assez large parce que honnêtement, vous voyez la taille là, c'est du S. Et honnêtement, j'espère qu'il est pas trop loose. Niveau confort et tout, à mon avis, on est bien dedans. Juste, il est pas très épais. Au lieu de 11,49€, il était à 9,19€. J'ai pris son frère en noir. Et là, pareil, il est pas très épais. Rien de fou, hein, c'est la même chose, sauf en noir. Mais j'en voulais trop des suites comme ça, donc je suis contente. Et pareil, là, c'est du S. Et aussi, il était un petit peu plus cher. Je sais pas pourquoi, des fois, il y a des trucs qui sont un peu plus chers. Vu les à cause des couleurs. Donc au lieu d'être à 12,49€, je l'ai payé 9,99€. Bon, pas très beaucoup plus cher, mais voilà. Pour finir, j'ai pris une veste sans manches. Une veste sans manches. Voilà. Une veste comme ça, sans manches. J'en ai une de chez Zara que j'ai achetée l'autre jour. Elle est trop belle, je la voulais depuis un de ces temps. Et par contre, elle est à 50€. On en parle du prix, genre c'est excessif. Mais voilà, elle est trop belle, elle est longue, mais elle est plus fine que celle-là, genre. Elle est un peu plus fine que celle-ci, j'ai l'impression. Et du coup, j'avais pris celle-là et je me souvenais plus, en fait, je crois que je l'avais pris. C'est pour ça que j'ai acheté l'autre chez Zara. Mais bon, bref, celle-ci, elle est courte. Et vous verrez porter, je verrai si j'aime ou pas. Et elle était à 24€ et je l'ai payé 19,09€ avec la réduction. Et je l'ai pris en taille S. Honnêtement, la qualité, elle est plutôt pas mal. Hein. Genre, la fermeture, elle est super belle parce que on la remarque pas tellement. Je sais pas si vous verrez bien. On la voit pas vraiment. Et c'est pareil pour les poches. Je vais également vous montrer ce que j'ai acheté ce week-end. Je l'ai déjà posté sur mon TikTok ce que j'ai acheté ce week-end. Donc si vous voulez aller voir. Tout d'abord, j'ai été chez Sephora parce que je voulais absolument prendre une des nouvelles palettes. Et celle qui me faisait plus de l'œil, en fait, c'était la bleue. J'en ai pris qu'une parce que il y en a deux que je trouve assez similaires. Il y en a une qui est dans les tons chauds, une autre qui est dans les tons un petit peu plus froids mais marronnés. Et vous en avez une rose violette comme ça. Et vous aviez la bleue. Et moi honnêtement c'est celle qui était la plus belle. Elle s'ouvre comme ça là. Et elle se présente comme ça. Et franchement elle est trop belle. Le bleu là mais... Elle est à 9,95€. J'ai hâte de la tester. Je vous en redirai des nouvelles. Et en plus la vendeuse a été trop gentille. Bon je sais que... Habituellement, elle vous demande toujours si vous avez envie de vous faire un échantillon. Mais moi, honnêtement, on me le demande pas tout le temps. Et là, elle était super agréable. Et franchement, elle m'a demandé si je voulais une dose d'essai. Et je dis que je voulais celle en forme de chaussure, là, de talon. Parce que je l'avais senti. Et trop bon. Ah mais... Franchement, si vous le connaissez pas, allez le sentir. Il sent trop bon. Ensuite, je suis passée chez Adopt. Et j'ai trouvé... des petits bijoux en fait, non, ces petites boucles d'oreilles qui sont là. Il n'y avait que des promos, il y avait des moins 50, des moins 70%. Donc j'ai commencé par prendre ces petites boucles d'oreilles. Les petites boucles d'oreilles, je les ai payées 2,49€. Je me suis pris d'autres petites boucles d'oreilles comme celle-ci. Je vous ferai des petites incrustes parce que là, vous ne verrez pas grand-chose, je pense. Ces petites boucles d'oreilles, elles étaient à moins 70%. Je les ai payées du coup 2,99€. Ensuite, je me suis pris une petite bague comme ça. Trop jolie. Pareil, elle était à moins 50% et du coup, je l'ai payée 4,99€. Les dernières petites boucles d'oreilles, c'était celle-ci. Pareil, à moins 70%. Et là, du coup, je les ai payées 1,49€. Elles sont trop mignonnes. Je me dis celle-ci plus les autres avec des petits coquillages là pour l'été. Pépite. Ensuite, j'étais chez Action rapidement. Je me suis acheté des Reese's. Pépite. Genre, c'est trop bon. Je les ai découverts il n'y a pas longtemps. Par contre, je préfère ceux avec le chocolat blanc autour, mais je les trouve plus en ce moment. Quand je vais chez Action, il n'y a que ceux-là.
Et ceux au chocolat blanc, il n'y en a plus. Genre, j'ai trop les nerfs. Mais trop bon. Si vous n'avez pas encore goûté, goûtez, c'est trop bon. Les Reese's, ils étaient en paquet de 4. 4 petits paquets de 2 comme ça. Et du coup, dans le paquet entier, je l'ai payé 2,45€. Ensuite, j'ai pris ce petit masque pour les lèvres. J'avais déjà les autres, les roses. Et là, j'avais envie d'essayer celui-ci là en or. Je me suis dit, on va tester. Celui-ci, je l'ai payé 59 centimes. Après, j'ai pris ça. Vous savez, c'est les petites tablettes là que vous pouvez casser et mettre dans le bain. En fait, c'est comme des bombes de bain, sauf que c'est en tablette. Et il sent pas mal du tout, donc pourquoi pas. J'ai payé ça 1,99€. Ensuite, j'ai voulu tester le fixateur de maquillage comme ça. Et celui-ci, j'ai vraiment hâte de le tester, voir s'il est bien ou pas. Parce que honnêtement, il fait 150 ml. J'ai payé 1,99€. Donc s'il est bien, pour 1,99€, franchement, trop trop cool. Je me suis pris, j'ai trouvé ça. Alors franchement, j'ai été interpellée parce que je me suis dit... C'est trop mignon, c'est trop beau, c'est coloré et tout, ça a l'air cool, ça a l'air de sentir bon, machin et tout ça. Donc j'en ai pris un Malibu Beach Babe, c'est des crèmes pour le corps, il y a marqué que c'est vegan. Et j'ai pris le Exotic Dragon Fruit. Sauf que je les ai ouverts pour les sentir, donc celui-ci il est couleur bleue, celui-ci il est couleur rose, même à l'intérieur. Franchement n'achetez pas. Parce que j'étais grave déçue. Les deux sentent la même chose et ils sentent la crème. Il n'y a aucune odeur, mais aucune odeur. C'est très perturbant et du coup j'ai trop les nerfs. J'ai payé ça 1,59€ chacun. Et après je me suis repris ça, donc c'est un ensemble de 3 petits bacs. Et en fait moi je m'en sers pour ranger dans mes tiroirs et pour séparer en fait quand je dois faire du rangement ou autre. Je kiffe trop, c'est trop bien, c'est la bonne taille et tout, j'aime trop. J'ai payé 1,99€ les 3. On termine avec, j'ai fait un petit tour chez H&M. Et en fait en ce moment si vous êtes membre et que du coup vous avez la fidélité sur l'application et tout ça, vous avez sur une sélection d'articles soit du moins 30% soit du moins 40%. Du coup moi j'ai pris un pull comme ça là, un gros pull un petit peu pas beige, entre le beige et le kaki, beige kaki gris comme ça, je sais pas, c'est un peu bizarre. Il y avait une étiquette comme ceci, donc il y avait moins 40% dessus. Et donc au lieu de 24,99€, 14,99€, et je l'ai pris en taille S. Donc pareil, je vous ferai une petite incruste portée. J'ai pris ce pull, franchement, je le trouvais trop beau. Un peu, je sais pas, il y a des petites épaulettes en haut, la matière surtout. Super agréable. Et je l'ai pris en taille S, pareil, toujours à moins 40%. Bah, au lieu de le payer 35€. Donc je l'ai payé 20,99€. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à mettre un like, un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Et mettez-moi en commentaire s'il y a des choses que vous avez trouvées cool. Du coup, je vous laisse ici et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !